Ah, bonjour la famille. Ouais, ça c'est plus matinal, hein. Ouais. La reine Bibiane est dans les durs sommeils ces temps-ci. Oui, je suis dans des durs sommeils. Je suis dans des durs sommeils. Jusqu'à le feu somme. Regardez comment j'ai cramé le lit. Oui, ce matin, je cours en compagnie de. D'une transe. Oui, Françoise la transe. Je cours avec. Elle a dit qu'elle allait me porter plainte. Non, il y a une Françoise qui dit qu'elle va me porter plainte. Et moi, je parle de Françoise la transe. Hein? Donc, pardon, Françoise, viens que je te le dise de vive voix. Si c'est de toi que je parle, bien sûr. Oui. Des souris de laboratoire. Oui. Ce matin. Nous courons avec Françoise la trans souris de laboratoire. Des personnes qui ont des cervelles trouées, qui provoquent. Et quand elles ont des retours de flamme, elles se mettent à faire Wokolo, Wokolo, Wokolo. C'est une sorcière, Wokolo, Wokolo. D'ailleurs, j'ai trop chaud là. Je vais me permettre. Hein? Et avant, bon, ça l'envers, c'est un peu con. Je suis en mode Bertini aujourd'hui. Hein? Je devais faire des photos, mais Bertini, c'est raté. Ah, c'est raté, je devais faire des photos, mais la sortie a annulé. Ouais, c'est comme ça la vie. Hein. Ah, c'est pour ça que je suis en mode Bertini, les gars. Hein, regardez vous-même. Ah bon, avant que je me déshabille, hein, c'est du Bertini, pas les. Bertini, vous voyez. Bon, ne vous occupez pas de mon gros ventre, de mes grosses fesses. Hein, je suis en mode Bertini, mon petit. Bertini, Bertini. Bertini, Bertini, Bertini. Oula, Karim va pas te dire. Voilà. Et comme il fait chaud, je vais enlever l'eau du jogging, mais je ne vais pas faire du strip. Hein. C'est bon, il faut arrêter. Donc, j'enlève juste l'eau parce qu'il fait chaud. Il fait énormément chaud là. Bon, genre de chauffage, si c'est pour, ça peut faire avorter un poule. C'est un prof qui avait dit que j'ai. Un prof d'anglais qui avait dit que j'ai chaleur, s'il peut faire avorter un poule. J'ai chaleur, s'il peut faire avorter un poule. Donc, j'enlève le. Voilà, on fera les photos une autre fois. Oui, souris de laboratoire. À tous les coups, elles se font attraper. Oui, à tous les coups, il n'y a pas moyen de faire autrement. Ça fait partie du combat pour ceux qui pensent que je suis dans les japap. Non. Le fonctionnement de certains Camerounais. Les premiers à faire Wokolo, ce sont souvent des premiers, très souvent, à 99,99% des personnes ayant déclenché la chose. Oui, j'ai une certaine Françoise dans mon IB qui ose même parler de politesse. Cette Françoise-là qui a mené une campagne. Qui a mené une campagne d'une cinquantaine de voix, me traitant de dépressive, de. Est-ce que je suis allée pleurer au mur de Wokoloro? Je ne suis pas moi allée pleurer. Je suis seulement appuyée sur réaction. Retour de missile. Et encore, je n'ai pas encore commencé. Hein? Je n'ai pas commencé. Je suis juste posée sur la porte d'un direct. Coucou, Françoise la trans. Bidi! Tel un trémolo, vrr, elle est dans mon libé, en train de dire qu'elle va sauf que me porter plainte. Françoise, l'autre Françoise là, hein, celle qui se sent concernée par des choses dites quelque part, je vis à 2 minutes du tribunal d'instance du 60 de Lyon, non, de Lyon, de Lyon. 2 minutes, hein? Je ne paye même pas le bus. Donc, pour faire simple, je couche au tribunal d'instance. Hein? C'est quand tu veux. Citation directe ou indirecte ou détournée ou. Je suis ta personne. Nous allons courir. Vous allez sauf que apprendre à vous dézombifier tout seul et toute seule. Oui! La Françoise qui pleure dans mon IB, c'est la Françoise qui a lancé. Elle est parmi les personnes qui ont lancé la campagne.
Il y a une série de voices là, avec mon nom qui fait pop, 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 pop dans tous les sens là. Entouré de noms d'oiseaux, de maladies, de naïfs. C'est parce que c'est trop long à trouver. Hein? Les personnes qui ont compilé mes voices sorties d'un eBay, sorties de leur contexte, même sorties du contexte, ça ne me culpabilise, mais alors pas du tout. Elles ont lancé la campagne là pendant un certain nombre de jours et la campagne même court toujours. Je ne l'ai même pas encore amenée devant le tribunal que elle fait déjà wokolo, wokolo, wokolo au sujet. Françoise, complètement au sujet. Je vais te coller un procès. Et tu sauras que je ne suis pas ton ami. Eh ben, nous ne sommes pas amis, hein? Dans la tête d'un rat de laboratoire, il est impossible d'en sortir quoi que ce soit. Je t'avertis, ben, je vais me permettre, c'est mon eBay, hein? Donc, je vais me permettre de publier Nampian. Oui! Donc, vous n'avez pas compris que la séance de laboratoire a commencé. Oui, vous êtes au labo. J'attends les copies. Je vous mets ça, hein, sa prose, que je n'ai même pas lu. Hein. Donc, nous allons lire ça en même temps. Ah non, je ne lis pas les conneries. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle me dise de potable? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle me dise de potable? Donc, nous allons lire ça ensemble. Oui, j'attends les copies. Sûrement qu'elle, elle s'est avancée. Les autres ont dit, avance, ma chérie. Moi, je me tâte encore. Oui, j'attends un certain nombre de copies. Moi, je vous ai dit que je suis quelqu'un de très, très patient. Merci pour la tête de mort. Si ça se coupe, je relance. Je suis quelqu'un de très, 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 très patient. Ça veut dire que tu peux me chercher. Tu peux me... Ça dit, tu peux... Dis un certain nombre d'injures, vois toutes les injures du monde. Je suis là, te regarde. J'ai une de mes filles qui tient de moi. Elle peut rester là. 6 mois, elle te regarde vivre dans sa maison. Et un jour, elle vient dire, au fait, maman, la personne qui vit là depuis 6 mois, c'est même qui non. Tu lui dis qui c'est, elle fait, ah, ok, j'ai compris, elle repart. Mais je peux rester stoïque. Et quand je commence à réagir, en général, les autres ont déjà oublié que... Les autres qui ont commencé. Oui. Franck est dans mon eBay. Il faut qu'elle cache son numéro de téléphone. Je ne suis pas vilaine jusqu'à ce point. Oh, il faut qu'elle cache son numéro de téléphone. Hein? Allez. Nous tenons encore la vie privée de certaines personnes. Il ne faut pas croire. Nous ne sommes pas encore devenus fous. Donc. Francky, nous allons lire. La copie, la première copie de Francky. À qui je ne me suis pas adressée, hein? J'ai juste fait toutou, Françoise Zatrans. Elle s'est sentie, elle s'est mouchée. Ouais, qui se sent mauvais, se mouche. Si c'est dans son acte de naissance, ma chérie, j'attends le procureur qui va réceptionner ta demande. Hein? Si Françoise est la transe sur ton acte de naissance, avançons seulement. Vous pensez que les gens sont idiots là? Allez, regardez, voici la copie, hein. Voilà. Je t'avertis, c'est la différence. Hein? C'est différent de pleurer. Donc, quand il n'y a pas de point, c'est chaud à lire là. Moi, les longues phrases. Oh, zut de crotte, la veille ici. Donc, voilà la copie de... Hein? C'est mon premier et mon dernier avertissement. Car nous ne sommes pas amis. Qui a dit que nous étions amis? Nous ne nous connaissons pas. Hein? Bon, toi, moi, tu as traversé le palier de chez moi. Tu as mis tes fesses sur... Hein? Tu peux dire, te vanter de t'être assise chez moi. Oui, tu es entré chez moi jusqu'à tu as posé tes fesses sur mon canapé. Moi, je ne sais même pas dans quel coin de la France tu vis. Ah, nous ne sommes pas de la même classe sociale. Ouh, et dire qu'elle était chez moi et moi, je ne connais pas le chez elle. Ouh là 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 là.
Non, elle ne reprendra pas sur Facebook. Elle a une dignité. Pourtant, elle a lancé une belle campagne. Hein? Ah, vous voyez dans la sorcellerie de certaines personnes. Elle a lancé une campagne sur Facebook. Et elle dit qu'elle ne reprendra pas sur Facebook. Ah, ben écoute. Ah, ben, tu as lancé la campagne sur Facebook. Et moi, je te fais juste un petit coucou. Hein? Je ne lance pas de campagne. Pourquoi tu veux que je lance une campagne? Elle n'est pas mal éduquée comme moi. Ah. Bon, voilà. Voilà une personne qui vit dans sa tête. Vous avez lu, hein? Voilà une personne qui vit dans sa tête, hein? Je l'ai prononcé. Est-ce que je l'ai prononcé quelque part? Soyons sérieux. L'ai-je prononcé quelque part? Pardon, qu'elle vienne un peu écouter ou bien que ses copines qui sont là cachées, hein, telles des rats d'égout. Ah, bipez-la. Je l'ai prononcé. Est-ce que je l'ai prononcé? Je ne l'ai pas prononcé. Qui se sent morveux se mouche. Il faudrait que je trouve cette campagne. Hein. Question que tout soit mis dans la boîte. Il suffit que j'aille dans une de leurs pages. Voyons voir. Nous avons des archives, mais... Oui, nous avons des archives. Mais je ne suis pas sûre d'être efficace là-bas en mode de recherche. Il aurait fallu que je le fasse ce matin avant le direct parce que qui dit archive dit un tout petit peu bordel, hein. Oui, nous Camerounais sommes ceux-là qui cherchent la merde et une fois qu'on ouvre la fosse septique, se mettent à crier partout, Wokolo, Wokolo. Oui. Les voilà en train de pleurer dans les chaumières. Ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première à pleurer dans mon IB, me disant de ne plus la prononcer dans mes directs. Pourtant, elles ont lancé une campagne. Je vous dis qu'une des campagnes les plus efficaces dans le cadre du combat. C'est la campagne pour me diaboliser. Mais comme je suis un diable, bah, écoutez, c'est comme le Cameroun qu'on doit déstabiliser ou qu'on veut déstabiliser. C'est y a déstabiliser, on déstabilise. Il y a encore quoi déstabiliser dedans. Moi, je suis le diable. Ou là, encore me diaboliser comment? Il faut pas charrier. Il faut pas charrier la famille. Non, c'est pas la première. Hein. Marie-Victoire était dans mon IB. Je le dis. Nous sommes en famille. Par respect pour le décès de son père. Mais elle avait oublié, je lui ai dit qu'elle est venue me dire que laisse-moi enterrer mon père, je vais te répondre après. Elle lui a dit que donc tu avais oublié. Tu avais oublié que tu étais en deuil. Quand vous avez lancé la vaste campagne-là, tes copines ont oublié que tu étais en deuil. Toi-même, tu as oublié que tu étais en deuil. Et par respect pour ça, je ne l'ai plus prononcé. Mais elle n'a pas cessé, hein, d'aller titiller. Elle n'a pas cessé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, elle est en deuil. Mais le deuil là est passé, n'est-ce pas? Nous allons sauf que courir. Nous cesserons de courir quand vous allez comprendre comment fonctionne ce bas monde. Ça veut dire que quand vous voulez du respect, vous ne manquez pas de respect à l'autre. Nous étions dans un cadre précis où vous-même, vous avez terrorisé vos propres soeurs. Oui, vous les avez terrorisées pendant 2 mois minimum. Vous avez décidé de partir, mais en même temps, vous étiez toujours dans la maison initiale à vouloir les terroriser. J'arrive et j'ampute, non. J'ampute, moi, je suis chirurgien. Vroup, vroup. Et nous nous sommes retrouvés en mode Wokolo. Karine est venue gâter Bobitana. Bobitana, vous avez l'impression que Bobitana est mort là. Vous qui criez partout que Karine est venue détruire Bobitana. Bobitana est mort. Chacun bosse toujours de son côté, non. Désormais, il y a deux groupes de travail. Il y avait déjà, quand je suis arrivée, c'est vous qui êtes venu me chercher. C'est vous qui êtes venu me chercher. Je suis arrivée, il y avait ma première impression était celle-là. IB à l'appui. Elle dit que, il y a scission ici. Et personne ne m'a. J'ai seulement constaté qu'il y avait scission. On pose un message dans la maison initiale, on dérive le message. Ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui ne sont pas là-dedans et qui agissent ailleurs. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit qu'il n'y avait pas scission. J'ai dit, ok, pas de souci. Mais il s'est avéré qu'il y avait scission. C'est moi qui ai créé la scission.
Vous qui vivez dans vos têtes de cinglés là, c'est moi qui ai créé la scission dans Bobitana. C'est pas vous qui avez décidé d'aller créer les 5000 sans dire aux autres ce que vous vouliez en faire. L'affaire n'est pas finie. Hein. Moi, je vous ai dit que moi, je suis une coureuse de marathon. 42 km 400. Oui. Tant que la leçon n'est pas comprise, moi, je suis là. Je suis dans vos pattes. Quand vous êtes allé créer les 5000, moi, j'ai appris comme ça qu'il y avait les 5000. J'ai décidé de ne pas m'en préoccuper. Est-ce que vous m'avez mise dans les 5000? Vous savez pourquoi vous ne m'avez pas mise dans les 5000? Est-ce que vous m'avez dit, Karine, est-ce que tu veux être dans les 5000? Est-ce que j'étais d'abord dans Bobitana? Mais on m'a collé une étiquette. Hein? Oui, on m'a muselé. Vous m'avez muselé dans Bobitana Travail. J'avais déjà posé un seul mot là-bas. On muselle une personne qui bavarde. Moi, dans les Zooms, on me muselle souvent parce que je suis une grosse bavarde. On me coupe seulement le micro, vroup. Et je comprends que, Karine, pardon, il faut te taire. Là, tu commences à faire du désordre. Mais muselé dans Bobitana Travail, j'avais déjà posé un seul. Je vous dis que même poser et effacer. Mais j'ai été muselé. Est-ce que je suis allée me plaindre? Je ne suis pas allée me plaindre dans la mesure où j'avais fait le choix de laisser d'autres Amazones éclore, prendre les devants. Donc, je n'avais même pas à me plaindre. Tu te plais parce qu'on t'a coupé le sifflet que toi-même tu avais déjà coupé. Non, non. C'est après que j'ai compris pourquoi on m'avait coupé le sifflet parce que je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit, je ne peux plus commenter ici. D'ailleurs, je ne commentais pas. Pourquoi est-ce que ça viendrait me serrer puisque je ne commentais pas? Et de par ma propre décision. Donc, c'est bien de pleurer. Hein? Moi, je suis du genre qui encaisse. Et je peux m'encaisser. Je prends mes pieds. Non, c'est une certaine Françoise qui est en train de pleurer dans mon IB. Elle dit qu'elle va me porter plainte. Je lui ai dit que va donc porter plainte. Elle me dit de ne plus prononcer son nom. Alors, vous allez me sortir le passage où j'ai prononcé son nom dans le direct où une certaine Françoise a écrit sur la porte. Donc, je me permets de faire ma part de bilan 2020. C'est ma part de bilan 2020. Nous allons apprendre à fonctionner dans la réalité. Elle pleure dans mon IB, elle me dit de ne plus la prononcer. Nous ne sommes pas du même acabit. Nous n'avons pas. Elle n'a pas été mal éduquée comme moi. Donc, je suis, s'il vous plaît, mes soeurs, allez un peu dans les archives là. Pardon. Annie, si tu peux, essaie de me remonter. Sa trentaine de voix là, parlant de moi. Si vous pouvez, pardon, remontez-moi seulement ça dans le forum là. Remontez-moi seulement ces voix dans le forum. Oui. Les voix qu'elle avait déposées là, les une minute là, successivement qu'elle avait déposées. Pardon. Parce que moi, je n'aurais pas le temps. Je ne serais pas efficace dans la recherche. Je sais que ça a été archivé. Mais je ne saurais pas, puisque ce n'est pas moi qui ai archivé encore. Je ne suis même pas sûre que ça a été archivé. Donc, si vous tombez dessus, mais elle vient pleurer dans mon IB. Elle, qui s'est dit les premières secondes, elle a lancé la campagne. Oui. Les voix ont fait le tour du monde. C'est revenu au point initial. Oui, elle dit qu'elle va me porter plainte. Va porter plainte. Nous allons courir. Va porter plainte. Si ce n'est pas toi qui va sortir de là avec les minutes. Va porter plainte. Est-ce que moi j'ai fait droit? Est-ce que vous pensez que quand je mets les pieds quelque part, c'est d'une façon. Mais sans verser dehors, j'ai droit à 15 minutes de ma voix. Fais le tour du monde. Oui, elle-même, me traitant de Dieu seul, c'est quoi? Une trentaine de voix d'une minute où cette fille-là est en train de me déchirer. Suis-je venu pleurer ici? Suis-je venu pleurer? Non. Elles ont décidé de se lancer dans une campagne de sabotage. Soit. Je n'ai fait qu'écrire une succession de phrases, de mots. Elles se sentent mauvaises, vous vous mouchez. C'est ça la lutte psychologique. Oui, vous n'avez pas la carrure. Je vous ai déjà dit ça. Il ne faut pas chercher de problème. Psychologiquement, vous êtes faible.
Et c'est pour cela que vous lancez des campagnes pour détruire les autres. Parce que psychologiquement, vous êtes faible. Mais vous êtes toujours les premiers à provoquer. Et moi, quand je vais porter plainte, mon fils, les tribunaux sont assez surchargés comme ça pour qu'on recueille aussi les délires de cinglés. Non, vous n'êtes pas, psychologiquement, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes entré dans la résistance, vous êtes entré dans la révolution, pourquoi faire? C'est la question que je vous pose. Puisque vous êtes toujours en train de pleurer, on vous a dit que la révolution en tant que telle, ça donne de l'air. C'est une lutte contre soi-même déjà. Mais vous êtes dans vos propres travers, vous les trimballez tels de lourdes casseroles. Vous trimballez vos propres, comment dire, vos propres manquements tels des diables. Bonjour ma suce, comment vas-tu? Et vous pensez que nous pouvons avancer en vous laissant nous tirer vers le bas? C'est votre propre faiblesse qui fait à ce que cette lutte-là n'avance pas. Et c'est vous qui vous a donné au sabotage. Moi, je ne sabote pas. Je m'adresse à toi. Je n'ai pas besoin de faire une compile de ta voix. Pourtant, Dieu seul sait que vous avez posé des trucs infectés dans les forums. Hein. Dieu seul sait que vous avez posé des trucs infectés dans les forums. Je ne suis pas allé les récupérer. Tout ce que j'ai publié, si c'est la partie que moi j'ai vécue. Vous voulez que je commence à vous sortir les mails ou des voicemails où vous insultez vos propres soeurs qui ne vous ont rien fait. Est-ce que vous voulez qu'on mette vous toutes là? Les Marie-Lou, les Françoises, vous voulez les Marie-Victoire, vous voulez qu'on vous pose vos voices ici? Infecte comme pas possible. Infecte comme pas possible. Est-ce que je m'en suis mêlée? Je n'y étais pas. M'en mêler aurait été prendre parti. J'ai commencé à publier ce que moi j'ai vécu dans le cadre d'une certaine affaire terminée. C'est vous qui avez jugé bon de compiler ces voices et de me faire passer pour le diable que je suis déjà. Le diable assumé. Oui. Je suis entrée dans une lutte. Je ne suis pas entrée dans le « on va voir bébé ». Et je vous le dis ici tous les jours. Je suis à l'épreuve d'un certain nombre de choses. Il y a des choses qui m'ébranlent. Hein. Mais vous ne pouvez pas m'ébranler. Vous ne pouvez pas m'ébranler. Même si vous tuez une de mes personnes, ça ne va pas m'ébranler. I swear to God. Parce que ça fait partie des paramètres que j'ai acceptés. Vous me voyez pleurer des personnes qui sont parties parce qu'elles sont parties dans certaines conditions. Par contre, la personne qui pense là, hey, je vais aller kill ta mère, tu... Et dans ma tête là, c'est déjà écrit quelque part, emballé, hein? Mis sous clé que on pourrait faire du mal à ta famille. Dans le cadre de la lutte, ça va rester. Vous ne pouvez pas m'ébranler, moi, si je vous le redis. Donc, ne me cherchez pas. Si je fuck up, vous restez dans le cadre. Mais dès lors que vous allez lancer une campagne, moi, je suis alors signé indien. Je suis signé indien. Dès lors que vous allez vouloir saboter le travail, hein, le travail d'un groupe de personnes, vous allez me porter sur le dos. Vous manquez de respect à tout le monde. Maintenant, vous allez raconter des conneries comme quoi Manandi a quitté le combat à cause de nous. Vous avez oublié que vous-même, vous avez commencé à la saboter. Malgré tout ce qu'elle fait pour le combat, vous avez commencé à la saboter. Donc, le sabotage que vous faites là ne compte pas. Vous vous dites que nous avons des mémoires de poisson rouge. Tu sabotes aujourd'hui, nous allons nous coucher. Le lendemain, oubliez. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez apprendre à être responsable de vos actes. Eh oui. Nous ne sommes plus des enfants. Vous allez sauf que apprendre à être responsable de vos actes. C'est ça, être adulte. Être adulte, ce n'est pas jouer aux troubles fêtes et être le premier ou la première à aller pleurer. Et des bonnes femmes comme vous.
Encore les hommes, on se dit, les hommes sont de gros irresponsables. C'est nous qui mettons au monde, c'est nous qui élevons, c'est nous qui élevons ces garçons. C'est nous qui élevons ces garçons et ces filles. Mais quand une femme qui est censée être le pilier de la société, ça donne à la destruction. Vous vous dites que vous allez construire quel genre de... Vous dites que nous allons aboutir à quel genre de société? Nous allons aboutir à quel genre de société? Oui, elles ont décidé de détruire Sandy comme ça, hein, à cause de son charisme. Oh, elle se fait voir. La femme de Truy est devenue votre bouc émissaire. Parce que vous ne savez pas gérer vos manquements et votre mal-être. Voilà donc, elle ne fait plus rien depuis un certain temps là. Depuis qu'elle est repartie chez elle, elle ne fait plus d'action. Où sont les actions? Vous vous adonnez à la destruction comme d'habitude. Dès qu'il y a le « venez m'aider à détruire ou à détester », vous êtes versé là-bas tel des personnes possédées. Je suis jusqu'au boutiste. Il m'arrive même d'être buté, obtus. Il ne faut pas me chercher. Moi, je ne cherche pas. Si un jour j'ai été la première à vous provoquer, si sortez-moi le direct là, ou sortez mes propos chronologiquement. Chronologiquement. J'ai toujours été dans la réaction. Et il fut un temps même, je ne réagissais pas, j'arrondissais les angles. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai décidé de ne plus arrondir les angles. Parce que ce sont ceux qui arrondissent les angles qui en font toujours les frais. C'est nous qui avons toujours mal au cœur. C'est nous qui sortons toujours de ces affaires-là complètement déchiquetées. Je n'arrondis plus les angles. Tu me cherches, tu me trouves. Sauf que tu ne sais pas à quel moment tu vas me trouver. Toutes ces bonnes femmes-là, toutes celles frustrées du triangle des Bermudes là, c'est vous qui avez commencé. Et vous êtes entrés dans une chose qui, elle, déstabilise la lutte. Et vous ne pouvez pas gérer le retour de flamme. Vous ne pouvez pas. Moi, je viens, quand je m'adresse à vous, c'est en personne. Vous n'avez tellement pas de couilles que vous allez créer des faux profils qui passent leur temps à insulter en plein jour et à faire semblant d'être de bonnes personnes la nuit venue. Non, ça ne marche pas comme ça. Celle qui pleure dans mon IB là, elle dit qu'elle n'est plus sur Facebook. Tu n'es pas sur quel Facebook? Tu as utilisé le compte de qui pour lancer toutes ces campagnes? Je n'arrive pas à trouver... les archives là. Mais elles sont quelque part. Pourquoi est-ce que je passe même? Il suffit d'aller sur ces pages là. Il suffit que j'aille chez... Je vais aller chez celle-ci. Et vous allez voir le mur d'une combattante. La fine équipe. La fine équipe. Destruction, destruction, destruction. Voilà, voici une, hein. Voici son mur. Voici une. Marie-Lou, voici son mur. Quand je clique dessus. Voilà, la compile. Vous écoutez. Ce PayPal, hein, n'en déplaise à ses. C'est ma voix. C'est une combattante qui publie ça sur son mur. Belle campagne. En plein jour, elle invite des combattants chez moi. J'ai dormi chez elle. J'ai dormi chez elle dans le cadre du combat et dans le cadre du privé, dormi chez elle. Bon accueil. Et c'est elle qui a un profil qui passe son temps à insulter. Et pas petites insultes. Pas petites injures.
Voilà la bande là. Et elles vont aller pleurer. Bokolo, bokolo. Et envoyé à qui de droit? Voilà une Voilà autre ce qu'on série de appelle Voice. Hein. l'infiltration. Oui, nous avons été infiltrés 11 par qui? minutes de ma voix. Et elles vont aller pleurer partout. Voilà elle qui veut détruire. Celle-ci, c'est combien la bande? Si c'est Mais quoi? toi, ça bien profond dans le grand T, pas né. 11 minutes. Donc Tu elle peux poser rafraîchit. plus Elle longtemps, publie pas ça né. plusieurs fois. Non, mais c'est pas respect pour. Plusieurs fois. Elle et Massa. Trois publications successives. Donc, c'est bon, là, allez, proust. Et elles viennent pleurer. Elles vont dire que, oh, voilà celle qui voulait détruire. Oh, voilà celle qui voulait détruire. Voici donc les combattantes de la première heure. Combattantes de la première heure qui disent que les autres veulent détruire. Elles sont trop dans la construction. Et quand elles ont le retour de flamme, elles se mettent à chialer partout. Ne chialez surtout pas. Ne chialez surtout pas. C'est vous qui avez déclenché l'ouragan. Et encore, ce n'est pas encore l'ouragan. Si vous ne vous calmez pas là, 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 en 2020, vous irez vraiment porter plainte. Si vous ne vous calmez pas là en 2020, vous avez jusqu'au 31 pour vous calmer. Vous avez jusqu'au 31 pour vous cantonner à vos groupes de travail et être efficace. Oubliez les travailleurs d'à côté. Parce que si vous n'oubliez pas les travailleurs d'à côté, nous allons vraiment nous retrouver devant les tribunaux. Parce que ça va chier. Ça va chier. Vous allez apprendre à être des adultes. Nous ne sommes plus au primaire. Hein? Japap City, tel a dit que, qui a dit que, qui a fait que. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. La lutte doit avancer. Si tu es dans un groupe de travail, le groupe-là ne te plaît plus, tu prends tes pieds, tu pars. Tu prends tes pieds, tu pars. Tu vas travailler avec des personnes qui te parlent. Mais te retrouver dans un groupe de travail, vouloir torpiller ce groupe de travail, vouloir torpiller une des personnes, pensant que tu vas rester dans le groupe là, tu mens. Tu ne peux pas être dans un groupe de travail et en public, tu tires sur un de tes collègues. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous ne pouvons pas faire des sorties avec des personnes qui ont des couteaux dans le dos. Ça veut dire que sur le terrain, vous êtes susceptible d'être ceux qui vont soit nous donner en pâture, soit qui vont même faire ce que l'adversaire devrait fait. Et ça ne peut pas continuer comme ça devient très très dangereux. Pour ceux qui pensent que oh, c'est négligeable, c'est il faut laisser, on ne peut pas laisser. Nous sommes sur le terrain avec ces personnes-là qui vous accueillent chez elles. Et qui, quand leur moment arrive, sortent des couteaux pour vous planter dans le dos. Moi, si j'ai incité les combattants à aller chez Marie-Lou. Moi, si, parce que je pensais que cette femme-là était entière dans le combat. Elle nous avait ouvert les portes. C'était un lieu sécurisant. Elle était accueillante. Elle semblait être une personne de confiance. J'ai souvent tanné mes frères disant, on se retrouve chez Marie-Lou. On fait un barbecue, on se détend entre nous. Voilà, on se sent. Moi, je me sentais à l'aise chez elle. Je ne monte pas au créneau pour rien. Nous avons dormi chez cette femme, la porte ouverte. Nous y avons laissé même nos affaires de toilette et tout. Moi, j'ai laissé mes affaires de toilette parce que je remontais sur Paris. Général Sandy a dormi là-bas. Nous avons mangé là-bas, mais nous étions chez nous. Tout ça pour découvrir qu'elle a un profil. À travers un autre profil, elle massacre. Quand on parle de massacrer, les Sardinats ne nous massacrent pas. Et nous devons rester là. Nous, nous devons prendre sur nous. Nous, nous devons mourir pour le combat là. Vous êtes combien à mourir pour l'affaire là, non? Il y en a qui décident de détruire la réputation d'un tel. Oh, tel est l'enfant d'un tel. Des suspicions terribles. Des suspicions terribles. Cette Françoise là, à un moment, elle ne jurait que par Sandy de Boston.
Elle ne jurait que par Sandy de Boston, cette Françoise-là. Elle jure par Sandy de Boston le jour et la nuit, elle a le couteau pour lui faire une boutonnière dans le dos. Nous sommes dans quel monde là? Les Camerounais sont ceux-là qui ont téléchargé toutes leurs mauvaises manies, qui ont pris leurs mauvaises manies, ils ont mis dans la valise, ils ont traversé les océans avec. Est-ce que vous savez même ce que nous vivons dans le cadre du combat? Est-ce que vous savez ce que nous vivons dans le cadre du combat? Nous avons nos frères là qui étaient dans le combat, mais de l'autre côté, qui viennent d'entrer dans les backstage. Dis que papa, ne t'en fais pas. Maman, ne t'en fais pas. Hein? Ça vient, ça monte. Ça va aller. Bientôt, tu vas être vacciné. T'inquiète. C'est comme ça ici. C'est infect. Parce que c'est ce que nous sommes. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se remettre en question. C'est l'éducation qui nous a été donnée. Et il y en a qui n'acceptent pas que c'est une mauvaise éducation, nous ne pouvons rien en faire. Vous voyez de vieilles femmes de 50 ans qui se traînent des casseroles que devraient avoir des enfants de 6 ans. Vous voulez tuer Sandy, vous voulez la tuer, elle vous a fait quoi? Si elle ne bouge pas, grand-chose ne bouge pas. On parle de. Il n'y a pas de petites actions. Faites vos actions, nous allons porter. Ce n'est pas la concurrence. On ne sait pas oiseau qui va tuer caillou. On ne sait pas caillou qui va tuer oiseau. Peut-être que chez nous, là, nous avons un David qui va finir par terrasser Goliath. Mais c'est vous qui êtes toujours en train de dire oui, elle pose une action, elle veut se faire voir. Et même si elle veut se faire voir, c'est son corps. C'est son temps, c'est son argent. Si vous voulez aussi vous faire voir, posez des actions. Appelez, nous allons nous joindre à vous. Une fois l'action finie, terminée, on se salue, on s'applaudit parce que c'était bien, nous avons donné du meilleur de nous-mêmes. Boum, chacun rentre chez soi, terminé. Mais il y a souvent des moments où nos soeurs sont, et nos frères sont encore dans l'action. Dans les commentaires, vous voyez déjà que, oh, elle veut se faire voir. Encore elle, tuip. Moi, je vous dis qu'il y a des choses. Moi, je ne regarde pas souvent les actions, les directs, je regarde les commentaires. Il y a des commentaires, je rembobine même. Ici, là, nous sommes encore en direct. Nos propres soeurs, nos propres frères sont déjà dans la torpille. Et vous voulez que nous autres soyons là, on encaisse, on encaisse. On vous a dit que nous sommes en titane. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes aussi des êtres humains. J'ai vu, il y a des moments où il y a eu l'action Le Drian. Il y avait nos soeurs devant l'assemblée là-bas, qui étaient en train de tailler l'action devant chez Le Drian. Je regardais les deux directs, j'ai deux téléphones, non. J'étais scandalisée. J'étais scandalisée. Pourtant, une action ne comment dire, n'anéantissait pas l'autre action. Mais il fallait entendre, parce qu'il y en a qui oublient souvent qu'il y a des directs à côté. Donc, il fallait entendre des choses infectes qui sortaient. Et vous voulez qu'on continue à se coltiner? C'est non, non, nous allons nous retrouver sur le terrain et distanciation. Distanciation. Je ne veux même pas sentir le danger dans mon dos. Il n'y a plus de fraternité dans l'histoire là. Il y a le peuple. Nous sortons, nous faisons ce que nous avons à faire et chacun rentre chez soi. Chacun désormais travaille dans son groupe et là où tu te sens en sécurité. Les gens qui disent là-haut, ça nous fait mal de vous voir vous déchirer. C'est comme ça que vous nous avez élevés. Nous sommes vos enfants, nous sommes le fruit de vos entrailles, nous sommes le fruit de votre éducation. Et il y en a qui ne veulent pas remettre ça en question. Donc c'est le Cameroun dans toute sa splendeur. Vous ne voulez pas faire d'efforts, mais vous voulez que ce soit les autres qui fassent des efforts. Voici Annie qui est là. Quand Annie a fait Bobby Tanap intégral, est-ce qu'elle était seule? Je suis allée dans son eBay pour la féliciter. Parce que je sais ce qu'elle a dû. Je sais qu'elle a dû se combattre elle-même pour le faire. Parce que j'étais là à Genève. Au premier Bobby Tanap populaire. J'étais là. Je sais que ce que ça lui a coûté d'enlever juste son haut. Et de garder sa brassière. Je sais ce que ça lui a coûté.
Donc, de toutes ces femmes-là qui ont fait Bobby Tanam intégrale, je savais que Annie était l'une de, c'est-à-dire celle qui avait payé, c'est-à-dire payé de sa personne. Parce que quand nous sortons là, vous ne regardez pas vos soeurs à côté. Vous êtes seulement là pour le show, pour insulter l'une ou l'autre. Elle est la seule. Même à ma générale, là, j'ai dit félicitations pour l'ensemble, mais elle, je suis entrée dans son IB pour lui dire que maman, je sais ce que ça t'a coûté. Bravo à toi. Bravo à toi. Parce que moi-même, là, j'aurais réfléchi pas 10 fois avant d'enlever mes outils. Il ne faut pas croire. Oh, quoi que j'ai failli enlever à Paris. J'ai failli enlever à Paris. J'étais toute seule, mais j'avais déjà défait le derrière. Là, le policier a fait oh, oh. Et je sais ce que ça coûte. Et je sais d'autant plus ce que ça coûte à certaines femmes. Vous êtes là, nous sortons. C'est-à-dire, nous ne prêtons pas attention les unes aux autres. Nous sommes la telle du bétail. Nous sommes des êtres humains. Il y a un minimum d'empathie. Il y a un minimum de regard bienveillant. Il y a un minimum. Il faut chercher à savoir dans quel état d'esprit est ta sœur d'à côté. Si elle a besoin qu'on la reconforte, si elle a besoin qu'on l'encourage un peu plus, si. Si elle a du mal à sauter, l'encourager pour qu'elle saute aussi, ou bien comprendre qu'elle ne puisse pas sauter aujourd'hui, elle sautera demain. Mais sur le terrain, sorcellerie. Vous pensez que c'est parce que je suis meilleure que vous? Non. C'est parce que j'ai été éduquée comme ça. Dans la rue, je fais attention. Avant de traverser, je regarde à gauche, à droite. J'ai un caddie. Je suis mon caddie. Je suis responsable de mon caddie. Mon caddie n'a pas Dieu. Mon caddie ne fonctionne pas sans moi. Donc, je suis responsable. C'est la personne que je suis. Donc, quand je suis avec mes soeurs, je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi. Même si je n'en parle pas là, je pars de là me disant, telle personne a eu du mal, il ne faudra pas la pousser à bout, telle personne, il faut féliciter, telle personne. Mais non, vous êtes dans la sorcellerie. Dès que quelqu'un a du courage comme ça, il faut tuer la personne. Au lieu d'encourager celle qui donne vraiment de leur personne, vous rendez compte qu'elle a puisé dans cette tripe. Elle a même mis une partie de sa vie aux anges. Elle s'est dit, oh mon Dieu, ça va me coûter, mais je fais ça pour le Cameroun. Non. Vous allez l'insulter. Vous pensez que le prix, c'est seulement l'argent. Il y en a qui payent le prix fort. Le prix fort. Ça veut dire que des personnes qui ont remis en question celles qu'elles sont, ce qu'elles pensaient être. Je vous dis qu'Annie, là, en Belgique, elle a eu du mal à enlever son haut. Il fallait la reconforter, il fallait lui donner un peu d'assurance pour qu'elle enlève. Pourtant, elle avait la brassière en dessous. Moi, je croyais même qu'elle avait les petits soutifs. Hein. Elle avait la brassière en dessous. Donc, la voix en Bobby Tanam, je suis restée comme ça. Elle dit, Massa. C'est-à-dire, elle a surmonté la brassière, elle a surmonté même le Bobby Tanam intégral. Maman, je sais ce que ça coûte. Donc, ce n'est pas moi qui vais aller dire à Annie, hein, vraiment, hein, c'était pour te faire voir. Hein. Maman, ce qu'elle a mis là-dedans, au-delà du message qu'elle veut faire passer, le prix qu'elle a payé ce jour-là. Hein? Mais, il y en a qui vont poser une action, qui vont nous rappeler ça toute notre vie. Moi, j'avais aussi fait le Bobby Tanam. Moi, j'avais enlevé ceci, j'avais enlevé ce... Que les gens, nous ne savons pas ce que ça a coûté. Nous ne savons pas ce que les personnes mettent dans ce combat. Mais quand ces personnes ne sont pas contentes, elles versent tout. Elles commencent à manquer de respect. Elles deviennent complètement folles. Ou vous n'écoutez pas ou vous êtes sourds. Vous n'écoutez pas ou vous êtes sourds. Qui est assez bien placé pour mettre nos propres actions en avant? Nous-mêmes. Mais le problème, c'est que quand une de vos sœurs vous porte, c'est elle que vous voulez encore tuer. Moi, je suis devenu le diable parce que j'ai voulu trouver une solution à un problème. Je suis devenu le diable. Parce que je ne suis pas allé dans votre sens. Vous êtes venu me chercher parce que vous pensiez que j'avais des problèmes avec ma générale. Mais ça veut dire que vous ne lisez pas, vous ne regardez pas, vous n'écoutez pas, vous êtes sourds comme des pots et myopes comme des tops.
J'ai des problèmes avec ma générale Sandy. Vous, à chaque fois qu'elle entre dans le direct ici, vous avez vu les commentaires que nous posons. Et les personnes qui vous font même croire ça. Nous avons une d'entre vous là qui était dans un autre groupe avec nous. Elle a eu l'impression qu'il y avait des problèmes entre générale Sandy et moi. Et même, vous avez voulu utiliser ça. Quand bien même il y aurait eu des problèmes, vous avez voulu utiliser ça contre elle. C'est pour cela que vous m'avez appelé. Vous avez dit que, oh, j'allais me retrouver à dire que, comme c'est elle qui a demandé la voiture, qu'elle paye aussi. Mais ça s'est retourné contre vous parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas des personnes pragmatiques. Vous n'êtes pas des personnes honnêtes. Vous êtes dans le, venez m'aider à détester. Vous avez dit que, oh, youpi, il y a de l'eau dans le gaz entre Sandy et Karine. Aide-moi à détester. Je suis dans, moi, si je suis dans le, aide-moi à détester. Ah non, non, fonctionne pas comme ça. Ma mère nous a assez terrorisés. On ne se mêle pas des problèmes des autres. On ne se mêle pas de ceux qui ne nous concernent pas. Ça fait partie des piliers de mon éducation. Oui, ma boule, quand ma mère, tu venais lui faire le japap. Tu te prenais une heure ou une. Elle ne giflait pas, mais tu te prenais une petite punition. Toi-même, tu savais que c'est à cause du japap que tu t'es puni. Oh, telle a dit que, telle a. Ma mère te disait que, en quoi ça te concerne? Je vous dis que j'ai été choquée quand j'ai entendu ma mère faire le japap. Je suis restée comme ça, elle dit que la matière fait le japap. Maman, la femme qui a effacé le japap en nous. Mais elle fait le japap qui fait me rigoler, elle fait le japap dans la famille. Un de ses fils lui dit quelque chose, elle vient, elle dit que, mais ma, est-ce qu'on t'a dit pourquoi tu viens nous dire? Elle sourit seulement. Ça lui fait plaisir. Mais le japap de la destruction, nous, on n'est pas là-dedans. Même les histoires de ta fille hein, en mariage là-bas et ma mère, elle a alors déjà été déposée. Si tu as des problèmes avec ton mari, tu es sa fille, elle va prendre ton mari et mettre dans le dos, elle te fouette. Et après, elle te dit, rentre dans ton ménage. Oui. Nous, on sait. On ne fonctionne pas dans le viens m'aider à détester. I swear to God. Ma mère est capable de te sortir de sa propre famille et garder son beau-fils. Donc, sur ça même, on ne. C'est-à-dire, on ne surfe pas sur ce genre de bêtises-là parce que ça ne marche pas chez nous. Ma mère te laisse au carrefour. Ma mère te. Que tu aies raison ou tort, elle n'a rien à foutre. On protège les invités, on protège les enfants venus d'ailleurs. On ne les donne pas en pâture. Même si la personne a tort, vous allez arranger ça après. Mais les enfants qui surfent souvent, ah, je vais aller dire à ma mère va faire ceci au beau et tout. Ça ne marche pas chez nous. Nous, on a cette malchance-là. Donc, moi-même, là, quand le beau va se plaindre chez sa belle-mère, que Karine a encore fait, oh là, moi, je passe un sale quart d'heure, on m'appelle seulement pour dire que j'ai entendu que tu as intérêt à ne pas. Ouh, et les beaux se vantent chez nous. Hein. Les beaux se vantent chez nous. Parce que les beaux sont dans le dos de la belle-mère, mon petit. Oui. Le beau n'est pas le beau chez nous. Ça devient le fils. Ma mère n'a pas mis de garçons au monde, mais elle a un certain nombre. Ils en font partie, les beaux. Quand elle compte ses enfants comme ça, ses beaux sont dedans. Le aide-moi à détester, je ne connais pas. Donc, quand vous êtes dans cette mission-là, oubliez-moi. Hein? Je vois mon prénom et ça fait riche. Je dis que comment je peux commenter ici pourtant. Donc, Alain Mimbou. Ouais, maman. Et vraiment, vous-même là, vous êtes de vraies sorcières. La vie prend un profil qui ressemble au mien. J'ai vu riche, j'ai dit, j'ai cru que c'est moi qui commentais. Ah non, mais je vous dis que des fois, il Wanda sur ma mère. Je Wanda sur. Ma mère a fait ça à une de mes soeurs. Elle est venue là, tchakala, je ne veux plus le mariage. Je ne, le mariage a fait que le mariage a fait que. Bon, finé. Ma mère a pris le mari avec tous les mounas. Les mounas vroup. Elle a pris un midéré. Elle a dit, toi, tu sors. Elle a dit à sa fille, toi, tu sors de la maison. Je suis restée comme ça. Elle m'a dit, quand ma soeur est venue, j'ai dit que. Je ne parle pas de l'affaire là-haut. La matière a y a parlé. Moi, elle va venir dire quoi là-dedans. Tu veux que moi-même là me renie? Tu veux que moi-même là me fasse sortir la famille? Elle dit, authentique.
Ma mère a pris son fils, elle a mis dans le dos avec les enfants. Elle a dit que non, ici là, il reste dans la maison, toi tu sors. Puis son salaire. Quand t'es fait seulement comme ça, tu vois seulement tout le monde aux abris, tout le monde entre dans sa coquille. Que hé, hey, maman, ici, hein, si tu mets toi-même là, on te sort de la famille, donc laisse comme ça. Ne t'en mêle. Une fois, on va dire que ma mère là. Et ça a toujours été ça à la maison. On protège les personnes venues d'ailleurs, qu'on a accueillies dans sa famille. C'est sacré. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, tu le maltraites. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, tu le maltraites. Le beau est désormais le fils de la famille. La belle est désormais la fille de la famille. Et il y en a qui sont dans le fonctionnement de viens m'aider à détester. Oh. Non, chez nous, on ne surfe pas dessus. Et mon grand-père fonctionnait de la même façon. C'est quand tu disais que tu ne voulais plus de la femme que lui, il voulait de la. Et il disait seulement que lui, il meurt derrière. Que c'est seulement la femme-là que lui, il veut seulement dans sa concession. Il ne veut pas une autre. C'est terrible. Donc, quand vous m'appelez dans les aide-moi à détester, moi, je ne sais pas faire. Oh. Je ne peux pas connaître la réalité et venir entrer dans la sorcellerie. Je vous ai déjà dit que chez nous, nous avons été blindés. Nous n'entrons pas dans les histoires de sorcellerie. C'est comme ça. On a scellé ça par le sang. Oui. Des rites que certaines personnes font. Chez nous, c'est. Mais nos ancêtres ont demandé le droit de vivre longtemps. Chez nous, on vit longtemps, c'est terrible. On a scellé ça par le sang. Et le prix à payer, c'est que vous n'allez pas dans les histoires de la nuit. On ne fait pas la sorcellerie chez nous. Si toi-même tu fais, toi-même tu vas aller rester là-bas. Et on nous le rappelle assez souvent. Quand tu dis que tu vas aller chez Alarmimbo, on te dit que tu as oublié que la règle c'est qu'on n'y va pas. Mais si tu es têtu, tu y vas. Toi-même tu vois. Donc ne m'appelez plus dans le venez m'aider à détester. Je ne suis pas là-dedans. Pas parce que je suis meilleur que vous, c'est parce que c'est l'éducation. On m'a mis ça là-dedans dans la tête et c'est bon. Et ça, je ne peux pas purger. Parce que c'est quelque chose de bien. Arrêtez avec la sorcellerie. Sinon, vous allez passer votre temps à pleurer. Et moi, je ne fais même rien. Vous voyez que j'ai juste fait un petit test au labo. Il y en a qui sont là dans mes IB pour faire Wokolo, Wokolo. Pourtant, c'est vous qui avez lancé une campagne. Françoise de 8 a fait une trentaine de voix. C'est parce que je n'ai pas le temps d'aller farfouiller et puis j'en ai pas la volonté. Une trentaine de voix me traitant de tout. Eh, Azambedou, c'est du genre où toi-même tu as envie de t'arracher la peau tellement tu te sens, tu pourrais te sentir sale. Et celle qui dit qu'elle va porter plainte contre moi. Ouais, la sorcellerie existe. Elle est toujours dans mon eBay. Hein? Elle est toujours dans mon eBay. Elle va utiliser les voies légales. Utiliser les voies légales. Donc, s'il vous plaît, oh ouais, Annie, si tu peux me faire remonter les voix de cette femme. Ah, elle est en train de dire que elle va utiliser les voies légales. Toucher pour éditer un texte. Pardon, François, porte-nous cette plainte-là, s'il te plaît. Hein? Nous sommes là pour danser. Est-ce que j'aboie? Est-ce que je chante d'aboyer? Elle est toujours dans mon IB. Je ne sais pas sur quelle interface elle est. Pardon. Sors-nous le procès-verbal. C'est ça la haute sorcellerie. C'est ça, s'il te plaît. Vraiment, allons devant les tribunaux. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends. Elle a posé je vous dis une trentaine de voix. Une trentaine. Une trentaine de voix. Tu veux que je te fasse réécouter? Peut-être que tu as oublié. Tu as une cervelle de poisson rouge. Allez, je me décide à les trouver. Je me décide, ça se pourrait. Il suffit que j'ai les dates. Alors, voilà. Nous allons remonter. C'était quand là?
novembre. Allez, je ne sais pas si j'ai tout. Est-ce que j'ai tout laissé? Même pas là, c'est ici. Donc, nous allons remonter. Je vais rafraîchir la mémoire à celle qui est dans mon eBay là. Je vais rafraîchir. Non, nous allons en finir là. Cette fin d'année. Et puis après, tu pourras aller. Hein? Tu pourras aller porter plainte chez le bon Dieu. Il n'y a que le bon Dieu qui puisse faire ma part de palabre. Parce que quand vous commencez, vous ne vous dites pas que la plainte là est pour tout le monde. Chacun va sortir ses éléments. Alors, je suis en train de vociférer sur Facebook. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui vocifère? Je ne ressemble pas à quelqu'un qui vocifère. Jusqu'à présent, je parle encore. Je ne suis même pas en train de crier. Toi, tu es là, tu trembles déjà tel un asticot au bout de la maison. Souris de laboratoire. À tous les coups, tu tombes dans le piège. À tous les coups. Bon, écoutez, on va éviter de commettre un impair. Hein? Alors, ça c'est... Oh, ça doit être ça, là. Il me faut des écouteurs parce que je ne veux pas passer n'importe quelle voice non plus. Je suis quelqu'un de responsable. Allez. J'écoute d'abord. Nous allons rafraîchir la mémoire à Madame la chialeuse. Ah, mince! J'ai effacé ça. Oh mince. Oh, je pense que j'ai effacé mes voix. Je les ai téléchargées. Oh mince. Je les ai téléchargées dans le. Oh, bon sang. Je les ai téléchargées sur l'ordinateur. Bah, j'ai tout stocké. Hein. Moi, c'est sur l'ordi. Mais oui, j'ai découvert que ce machin-ci stocke tout. Oh, je télécharge, je mets sur une clé ou sur double archivage même. Il y en a qui sont sur l'ordi et qui sont sur une clé USB. Qui est bloqué? Pardon, bloquez-les tous. Bloquez-les tous. Je vais finir par trouver au moins un voice. Au moins. Ah, la puce sorcellerie. 10 enfants du 237. Vous allez écouter. Ça ne me concerne pas, ça concerne le général Sandy. Hein. Oh là, c'est toujours ma générale. Oh.
Je sais. Non, elle parle de ma générale Sandy. Vous voulez qu'elle vous verse tout. Vous avez tout le Japon. J'ai pas tout écouté, hein. Waouh. Bon, en fait, c'est ma générale qui en prend pour son grade. Hein. Oh mince, où sont les miens là? Là, ce sont ceux de ma générale. Ah oh, ouais, c'est. Ouais, mais on ne vous donne pas tout. Hein. Non, ce sont ceux où elle parle de ma générale. Non, on ne peut pas tout vous verser. Vous parlez de quoi? La folie là, elle sera utilisée en temps utile. Je cherche toujours les miens. Les miens sont où là? Mince. Bon, c'est pas cette série-là que je cherche. Mais je vais trouver, vous en faites pas. One day, je vais trouver. Le 3 décembre, est-ce que c'est le 3 décembre? C'est pas avant. Alors, non. Bon, je vais trouver, vous êtes pressé. Oui, je suis sur WhatsApp, non. Je suis sur Action. La première personne qui trouve la mêlée remonte dans les archives. Non, la folie, mais franchement, c'est la pure folie. Hein. Au-delà de la folie même. Folie doublée de sorcellerie. Oh, bah, allez. Je suis en train de faire ralentir le direct là. Il va falloir vraiment qu'on classe ces bêtises-là par dossier. Hein. Parce que ça commence à être une vraie fourmilière là-dedans. Pourtant, nous n'étions pas censés garder ce genre de bêtises. Et comme il y en a qui veulent donner mal à la tête là. Non, maman, j'attends, hein, j'attends la plainte. Tu peux moi aussi couper le direct si tu rajoutes dedans. De vrais Biamorounais. Oui, de vrais Biamorounais. Tu es responsable d'un truc et tu es le premier à pleurer. Bon, là, je ne trouve pas d'action. Il faut aller beaucoup trop loin. Ah non, je ne trouve pas d'action. Oui, voilà celle qui se plaint. Non, je vous passe celui-ci. Hein. Je vous passe ce voice. Hein. Oui, voilà la personne qui se plaint. L'argent du PayPal, c'est l'argent du peuple. Si ce n'est pas par méchanceté, Annie, tu vas dire que je t'indexe. Je t'indexe parce que moi, j'aime la vérité. C'est ça. Béatrice était la première à faire la proposition que, comme on a déjà l'argent dans le PayPal, prenons ça pour donner à maman Elisa.
Mais quand vous aimez seulement quand on se tape dessus, on se discute, on se divise. Vous avez préféré qu'on se divise. Vous êtes sorti du groupe, allez créer le groupe, dites que le groupe Action. Ça ne vous a pas laissé. Vous êtes venu, comme vous savez que personne ne peut vous suivre dans le groupe Action. Tant que Sandy est dans un groupe, les gens, personne ne peut vous suivre dans le groupe Action. Si elle pouvait faire seule, pourquoi elle n'a pas créé son groupe seule? C'est Sandy qui est venu me chercher pour me mettre dans Bobitanam. Je n'avais jamais adhéré quand vous avez mis le lien. C'est elle qui m'avait ajouté. Si elle pouvait faire seule, pourquoi? C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est ça. C'est comme ça. C'est pour cela que j'ai mis que vous étiez des têtes vides. Et tu as mis point d'interrogation, Annie. C'était sur cette base. Parce que des personnes qui réfléchissent, réfléchissent profondément. Ah oui. J'ai mis que, elle-même dit qu'elle a mis que nous étions des têtes vides. Nous sommes des têtes vides. Non, 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 mais... Et elle vient pleurer aujourd'hui, hein. Elle-même reconnaît avoir insulté, traité ses soeurs de têtes vides. Si c'est un tolo, machin, truc là. Ce voice-là insulte qui? Mais comment? Tu veux y corriger la copie, pourtant moi je n'ai pas fini de rédiger. Tu es pressé, tu cours pourquoi? Bloquez-la, dis donc. Bloquez-la. Hein, tu vas écouter la femme étant dehors. Bloquez la bêtise. Est-ce que nous avons fini? Les voix ne font qu'arriver, non? Moi, je mets sauf son sac comme je reçois. Les voix arrivent. Il y a quoi, non? Tu es pressé. Donc, bloquez-la. Hein? Trop pressé, bloquez-la. Depuis quelque temps, nous remarquons que Bobitana essaie de se diviser. Et nous avons toutes rappelé les personnes. Alors, quand je dis les personnes, c'est surtout Sandy qui a commencé le désordre. Et que... Il y a beaucoup, tu parles de quoi? Une trentaine de voix. Vous parlez de qui a créé Bobitana. Qui a la marque de Bobitanam. Je ne cite pas Karine parce que déjà quand ça a commencé, je ne l'ai jamais vu défendre Bobitanam. Bonsoir les Bobis, bonsoir à toutes. C'est avec désolation que je vais déposer ce voice. J'invite Annie ou Agnès de transférer ce voice dans le grand groupe Bobitana ou de le partager partout pour que vérité soit établie. Du coup, je dois déposer ce voice et souhaite. Je dois déposer en plusieurs parce que j'aime pas faire des longs voices. Amen. Où les gens ne vont pas écouter, où ça va perdre du temps aux gens. Donc, je veux en découper. Bon, c'est long, on vous dit qu'il y a une trentaine de voices. Hein? Ah oui, c'est un faux profil qui me demande j'ai peur de quoi. Non, c'est juste pour que elle se remémore. Au cas où elle aurait oublié, qu'elle repasse comment on appelle, en revue, tout ce qu'elle a pu dire comme connerie. Ah, pardon, de 8, je vais te bloquer de mon IB. Hein? Je vais te bloquer de mon IB. Je t'ai dit de sortir de mon IB, non. Tu vas chercher quoi là-bas? J'attends la plaine. Je ne bloque pas souvent, mais là, je te bloque. Allez, tais-toi. Je te coupe le sifflet. Tu vas aller te plaindre ailleurs. Quand on va porter plainte, est-ce qu'on crie sur les toits? Tu vas sur gouv.fr. Tu vas larguer ça là-bas. Allez, bloquer. Bloquer. Voilà, je viens de la bloquer. Mon téléphone n'est pas le mur des lamentations. Voilà. Mon téléphone n'est pas le mur des lamentations. Nous attendons la plainte. Ah, non, c'est toi qui parles derrière Maëva. Pardon, prenez en photo là. Malolo, Maëva Ntolo. Maëva Ntolo. La plainte est déjà là. Mais ok. Est-ce que ça mange du pain? Ça mange pas de pain, une plainte. Tu déposes, tu attends que ça se passe. Donc, tu n'as pas dit que tu n'étais pas sur Facebook. Ouais, donc, des personnes qui veulent avoir l'auréole de la sainteté.
Pourquoi tu n'as pas mis ton nom ici? Pourquoi tu ne mets pas ton nom? Tu apparais sur un faux profil et tu es trop au courant de ce qui se passe dans mon IB, entre toi et moi. Pardon, enregistrez-nous le faux profil. Vous voyez donc, souris de laboratoire. On finit toujours par les tchats. Oui, Doumkov, souris de laboratoire. Souris de laboratoire, à tous les coups. Même si le piège est énorme comme ça, vroup dedans. Vroup dedans. Là, voilà donc qui apparaît en faux profil. Ça te coûtait quoi de mettre ton nom, non? Voilà le mien intégral. Je n'ai même pas besoin de chercher mon adresse. Je suis même googlisable. Je suis googlisable. Voici donc des personnes qui passent leur temps à faire wokolo, 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 le mur des lamentations. Oui, tu as oublié toute la merde que tu as eu à poser là. Les insultes que tu as eues, c'est-à-dire les injures, ce sont les insultes, les injures que tu as eues à proférer. Tu as oublié ce que la boîte s'y a enregistré. Tu viens faire wokolo. Je tremble qu'il y a quoi là-dedans. Hein? On tremble devant un ver de terre. Et encore, le ver de terre a son importance dans la nature. Elle remue le sol pour l'aérer. On tremble devant, je ne sais pas. Tu es quoi? Hein? Même la pieuvre, là, on la mange. Je suis en train de chercher un truc qui n'a mais alors qui ne sert à rien dans ce bas monde. Je n'ai pas encore trouvé. Tu sers à quoi? On t'a mis dans Bobitana. Ah, c'est pas elle. Toi, t'es qui alors? Tu es l'avocate du diable. Ah, c'est pas elle. Tu sais, je parle de qui? Je n'ai pas elle, mais ça y ressemble. Ah, vous allez porter plainte maintenant. Dans votre plainte, la mettez aussi votre campagne. Hein? N'oubliez pas votre campagne. Ah, nous allons tous nous retrouver devant Gobina. Eh oui. Nous allons tous nous retrouver devant Gobina. Eh que oui, que oui. Mais nous n'avons pas fini de nous gérer. En ce qui vous concerne, là, vous m'avez déjà entendu parler de plainte. Vous savez ce que c'est la diffamation? Est-ce que vous savez ce que c'est la diffamation? Quand bien même je serais une mauvaise, comment une personne avec de mauvaises notions en droit, nous sommes entourés de juristes. Vous avez vu comment, vous avez vu le terminus de l'histoire des 14 000. Est-ce que vous avez vu le terminus de l'histoire des 14 000? Donc dites-vous que nous ne sommes pas des petits cons. Qui marchons tels des possédés. Non, nous ne sommes pas des âmes en peine. Non, déposez sauf que plainte. Et dites-vous que c'est le perdant qui paye les frais d'avocat. Ah non, il ne faut pas l'oublier dans l'histoire là. Donc, ça veut dire que quand je vais prendre l'avocat là, c'est vous qui irez. Je ne vais pas prendre. Mon avocat n'est pas piètre. Mon avocat n'est pas mauvais. J'en ai un déjà. 1 200 par acte, 1 250 euros. Bon, peut-être qu'avec l'inflation, l'année prochaine, ce sera 1 300. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a un avocat, est-ce que j'irai chercher lui? Il y a un avocat qui gagne. Je dis ça, je dis rien. Ah, vous avez cru que vous avez le monopole. Voilà un autre faux profil qui vient de rappliquer. Un faux profil. Vous voyez donc comment les Camerounais, certains vivent dans leur tête. Elles sont de retour là. Hein? Non, nous pouvons tenir comme ça 4 heures de direct. Elles sont de retour. Le désordre est collectif. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, je ne suis pas dans le désordre. Hein? Ce que je fais là, ce n'est pas du désordre. Hein? Je remets votre Namgwan en place. Je ne suis pas dans le désordre là. Sinon, vous ne serez pas sortis de vos. Hein, de vos faux sceptiques. Je suis en train de vous donner une leçon magistrale. Nous sommes dans un amphithéâtre. Nous sommes dans un amphithéâtre. Je suis en train de vous donner un cours magistral. Je ne suis pas dans le désordre. Je ne suis pas un désordonné. À mon âge, vraiment. À mon âge. Mais tu ne fais que dire que je vais reprendre de mes actes. J'attends, non. Pourquoi tu fais beaucoup de bruit comme ça pour rien?
Ah, ce sont des voices privées. Vous voyez donc des idiots. Vous voyez donc des idiots. Quand je dis que, quand on parle de la rat de laboratoire, relisez la phrase de. Relisez Maëvan Tolo. Continue et tu mets S de grâce. Continue à mettre les voices privées en public. Ah oui, oui. Continue à mettre des voices privées en public. Allons sur un des faux profils de la grande team de souris de laboratoire. Je suis toujours dessus. Allons-y, hein? C'est moi qui ai compilé mes propres voices qui sont sur la toile aujourd'hui. Ce n'était pas des voices déposées dans un forum qui n'était pas privé. Privé, quand vous êtes bien un certain nombre là-dedans, vous n'êtes pas privé, ce n'est pas du privé ça. Quand tu mets déjà ça dans un système qui est censé être un réseau social, on appelle bien ça le réseau social, hein? C'est pas pour rien. Donc, les souris de laboratoire qui ont la mémoire courte, idée courte. Allez. Voilà une des souris de labo. Majou chouette bidule. Voilà le titre. Voilà Madame la matinale qui a détruit Bobby Tanap. Et quand j'appuie dessus... Oh, zut. Qu'est-ce que j'entends? Dieu, seul sait qui et à qui veut entendre. Et non, mais Ida, s'il te plaît, te fiche pas de ma gueule. Et de toi-même. Hein, le forum, nous sommes là-bas, tu sors de toi-même. Hein? Ne te fiche vraiment pas de la gueule du monde. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Chacun sait à quoi s'en tenir aujourd'hui. Et bonjour chez chacun. Donc, de toi-même. Dans les 5 prochaines minutes, si tu n'es pas sorti de notre maison là-bas, je te fous dehors. Voilà, c'est ma voix. Hein? Là, je ne prends plus de gants. Parce que tu nous as vraiment pris pour des connes, quoi. Bon, au point où nous en sommes, il n'y a plus de faux semblants dans le combat. Soit on est franc du collet, soit on se sépare. On ne peut plus se permettre de recevoir des coups de couteau dans le dos. Ida, la Canadienne, hein? Marie-Victoire Yetna et un certain nombre de femmes ont décidé de faire le hold-up sur Bobby Tanap. Et en ce qui concerne Ida, elle était là où on concevait la chose. Elle s'est préparée. Hein? Elle a dressé son petit lit afin d'y poser le bébé que d'autres personnes étaient en train de concevoir. Voilà, les filles. Hein? La maîtresse et son adsem. Embarquez vos aspirants. Et puis, voilà. Franchement, sincèrement, hein, vous avez jusqu'à demain, à mon réveil. Hein? Vous avez jusqu'à demain, là, à mon réveil. Celle qui... Complètement assumée. C'est ça, être un adulte ou une adulte. Ça veut dire que là où la décision doit être prise, on la prend. C'est ça, être adulte. On vous a dit que adulte, c'est aller voir bébé. Adulte, ce n'est pas, il faut aller voir bébé. Ne pas réagir veut dire que tu veux travailler sur un plancher pourri. Oui, j'ai amputé. Est-ce que je suis allée me mettre dans un autre forum pour amputer? C'était là, dans la maison mère, que j'ai dit, vous prenez vos bagages, vous barrez. Vous pensez, vous dites que quand j'ai posé ça là, je ne savais pas que c'était susceptible de se retrouver dehors. Vous qui dites que les voices privées qui se retrouvent dehors, c'est moi qui ai fait sortir ça. C'est moi qui ai fait la compile. C'est moi qui ai fait la compile de 11 minutes de voice et versé ça dehors. Vous venez me dire ici que continue à poser. Donc mes voices à moi ne sont pas dans l'ordre, ne font pas partie du privé. Et vos voices à vous font partie du privé. Ça s'appelle de la haute sorcellerie. Ça là, j'assume. Et moi-même, j'ai eu à le dire en public. Sorti de ma bouche ici. J'ai viré Ida, la Canadienne. J'ai viré du groupe Bobby Tanap, Marie-Victoire Yetna. Qui était déjà partie d'elle-même. Vous étiez encore dans Bobby Tanap pour faire quoi? Puisque vous étiez déjà ailleurs. Vous ne commentiez plus là-dedans. Il y avait, comment on appelle, transport de voice. Donc, vous posiez là-bas et on venait déposer dans Bobby Tanap. Vous n'aviez pas de couilles
Hein, vous n'aviez pas assez de couilles pour poser les commentaires ou vos dires dans Bobby-Tanap où tout le monde était? Vous posiez ça là-bas dans Bobby-Tanap Travail, où, soit dit en passant, nous autres étions muselés? Haute sorcellerie. Tout ce que j'ai dit là, j'assume de bout en bout. Que ce soit la justice, je peux même vous passer les 11 minutes de Le voice. digestif, oh, celles qui veulent me rouler dans la farine, oh, j'ai l'habitude, vraiment. Et Ida, après ce qui s'est passé avec Franklin Yamsi, si tu penses vraiment avoir des côtes? Ida, tu penses vraiment avoir des côtes? Tu penses avoir les Bobby-Tanap pour toi? Tu es au Canada. Hein, toi-même, tu n'es pas encore Bobby-Tanap. De toute façon, on n'a pas encore vu tes nichons. Et tu penses pouvoir résister plus que Briantine avec un certain nombre de Camerounais derrière lui. Ouh, ma chère, il faut pas la fumer mouillée, il hein, faut la sécher un tout petit peu. Et quand je dis ça, quand je dis Ida, hein, c'est Ida, on dit quoi, sa colistière, hein? Marie-Victoire Yetna, allez, bonjour chez tout le monde. Non, non, sinon moi, je ne suis pas administratrice ici, mais nous avons les clés, on commence à vous gicler. Donc vous avez la soirée d'aujourd'hui pour faire vos bagages. Ici, c'est les Bobby-Tanap, dans les frontistes là. Hein? Allez fronder ailleurs. Donc pour tous les déménageurs là, c'est quand vous voulez. Hein? Ici, c'est la maison principale. Nous ne voulons pas avoir à faire le tri, quitte à enlever les mauvaises personnes. Donc chacun prend ses bagages et fait comme Ida dans un certain groupe là. Allez, déménagement oblige. Les aspirants 5 000, allez. Dehors, je suis là, vous pouvez même aller poser les voix là en public, hein, j'en ai rien à foutre. Le divorce est consommé. Il y en a qui ont dit, nous ne sommes plus Bobby-Tanap, nous sommes 5 000. Donc, hein, allez, chacun fait son sac de Mbanjok. Tata Karine est de retour, hein. Tata Karine, maintenant là, hein, nous allons être entre Bobby-Tanap, comme nous sommes entre personnes responsables dans un certain groupe. D'où Ida vient de partir comme la voleuse qu'elle est. Donc Ida, tu peux publier, hein, ça c'est pour toi, dédicace. Bon, au point où nous en sommes, il n'y a plus de faux-semblants dans le combat. Soit on est franc du collet, soit on se sépare. On ne peut plus se permettre de Non, recevoir des coups de couteau ils ont fait venant une de boucle, loin. hein. Ils ont fait une Ida, boucle. la Canadienne, hein, Alors, m'a finalement, quitté ça n'en fait quand j'ai pas pu. 11 minutes. Ce sont des voyages de 3 minutes et ils ont fait une boucle. Ou elles ont fait une boucle. Ce sont elles qui viennent pleurer maintenant, qui parlent de voyages, ceux qui se retrouvent dehors. Vous appuyez sur play. Quand moi j'appuie sur replay, vous vous mettez à pleurer. Oui. J'ai fait sortir les frontistes de Bobby-Tanap. Lui, assumé complètement. Nous ne sommes pas des enfants. Quand une jambe est gangrénée, on ampute. Nous ne sommes pas obligés de travailler dans les mêmes groupes. Donc, quand il y en a qui ont déjà créé leur groupe là-bas où elles tiennent à ce que les choses fonctionnent au point de museler d'autres personnes, et elle reste dans le groupe initial pour foutre la merde. Vous appelez ça comment? Ça veut dire que le groupe initial ne peut plus, les personnes qui sont dans le groupe initial ne peuvent plus travailler. Ne peuvent même pas travailler sereinement. Puisque elles ont déjà créé leur groupe là-bas. Ou elles ont muselé les personnes qui ne devraient pas parler à leur avis. Même dans les 5 000 là, j'ai lui dit que Marie-Victoire avait muselé un certain nombre de personnes là-bas. Elles étaient quelques-unes à pouvoir publier dans le groupe WhatsApp des 5 000. Oui, c'est sa façon de faire. Les gens vont vous dire que, oh, la dictature. Toi-même, tu es dans dictature plus, 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 plus. Soit disant que c'est parce que tu veux que le travail soit bien et bien fait, muselé. On parle de travailler, travailler ensemble. Donc, museler une partie des personnes qui sont dans un groupe de travail, c'est être performant. Donc, quand vous avez déjà conçu votre groupe, ou vous avez même muselé nous autres là, quand on vous dit maintenant que, ben écoutez, nous on ne vous muselle pas ici, mais vous partez, vous mettez à faire wokolo, wokolo. Même Yaoundé là ne voit plus le carreau de votre part de sorcellerie.
Bokolo, vous allez chialer partout. Sortez un vrai profil. Ça vous coûte quoi? Mouiller, c'est mouiller, non? Sortez un vrai profil. Je vous dis que 2020, si c'est la fin de la sorcellerie dans le combat. C'est la fin de la sorcellerie. Marie-Victoire, elle peut parler. Vous savez souvent que nous autres, l'on se fait. Vous dites que Marie-Victoire ne te prononce même. Elle peut parler. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la femme ou la fille au ralenti. Elle peut parler. Elle peut tenir sur un plateau. Elle peut tenir une conversation, quelle qu'elle soit. Quelque chose de cohérent. Vous aimez souvent qu'on vous vole dans les plumes. Parle en public qui veut. Elle peut construire une phrase. Elle peut poser une idée et la développer. Vous aimez entendre. Vous voulez tuer d'autres personnes. Vous pouvez faire ce que ces personnes-là font. Sur le terrain, Général Sandy est là. Quand il faut prendre le micro, elle est là. Vous pouvez faire. Vous voulez être ceux qui sont devant ou celles qui sont devant. Vous pouvez porter cette charge-là. Est-ce que vous pouvez porter ça? Vous pouvez avoir la détermination de Sandy de Boston. La femme qui se met comme ça, en face de la police tout entière. Elle leur parle, elle leur postillonne dans la bouche sans sourciller. Vous pouvez. Est-ce qu'elle a besoin de la connaître? Elle et moi n'avons pas trait les vaches ensemble pour le peu que je vois là. Pour le peu que je vois là, pas vous défendez seulement les personnes parce que vous êtes dans la sorcellerie. Marie-Victoire peut, sur le terrain, elle peut courir. Elle est là comme moi. Elle peut courir. Chose que j'ai eu à voir moi-même. Vous ne regardez pas, moi je regarde. Une surfeuse, elle surfe sur le travail des autres. Elle va placer un petit mot là pour qu'on l'entende aussi. Vous avez vu sa posture sur le terrain. Elle peut remplacer Sandy. Pas vos pète-pète que vous faites là. Parce que nous vous laissons faire. Parce qu'il faut un tout petit peu de paix dans le combat. Elle peut remplacer Sandy. Elle peut se mettre comme ça. Elle s'est déjà retrouvée face à la police tout entière. Ça veut dire que tout le cordon, de bout en bout, elle le sillonne. Et elle ne bouge pas d'un iota. Elle peut se mettre devant toi-même qui parles là. Devant un policier, devant une policière, faire pleurer la policière au point que le, juste à ce que le supérieur vienne dire à ma générale que cesse de faire pleurer mon élément, cesse de titiller mon élément. Vous pouvez, vous pensez que vous êtes dans le combat? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans le combat? Il ne faut pas souvent me faire sortir le démon que j'ai en moi. Moi, j'observe. Et je n'observe pas pour vous descendre. C'est pour réagir, juste un certain nombre de personnes, pour savoir qui est fiable, qui n'est pas fiable. Vous voulez que je vous parle de la posture de Marie-Victoire Yepna dans le combat? Et elle n'est même pas assez forte pour profiter du combat d'autres personnes. Elle n'est pas assez intelligente. Ce sont des personnes qui sont prêtes à tuer les autres, même quand c'est. J'ai déjà embarqué la casserole, pourtant la nourriture n'est même pas encore prête. Hein? On n'a pas encore fini de mettre tous les condiments, mais dès qu'elle voit que ça commence à bouillir, là, il n'y a que la viande avec le sel. Boum! Elle part à la casserole, pourtant on voulait faire le ndolé. Vous voulez qu'on se mette à parler? Il fut un temps, j'étais celle qui regardait tous les. Je vous dis tous les directs. J'étais dans tous les forums, je lisais tous les forums. C'était mon travail. Donc j'observe, dans le cadre de ce combat, j'observe les êtres humains. Vous pensez que je fais mon direct en me basant sur quoi? Vous pensez que quand je parle de la société camerounaise, je la vis par procuration? Je regarde les choses en face, les qualités et les défauts. Nos qualités, nos défauts, moi je les connais. Du moins dans le cadre du combat. Mais vous êtes dans la pure sorcellerie. Dans la pure sorcellerie. Vous voyez donc des imbéciles qui ont l'âge mental d'un enfant de maternelle. Tu viens parler de mon Maxou ici. C'est comment? Il te fait grimper au rideau par procuration. Mon Maxou sort d'où ici? C'est mon Maxou Nampiang jusqu'à la gare et au-delà de la gare. Et au-delà de la gamme, mon Max sort d'où ici? Hein? Ouais.
Vous voyez donc comment certaines personnes sont malheureuses. Tu veux que je te parle de mon Maxou? Tu veux venir chercher les infos chez moi? Tu as vu la bague qui est au doigt là? Hein? Avant que cette bague-là ne soit définitive à ce doigt-là. Hein? Elle était déjà gravée dans ma mémoire. Cette bague-là, je vous dis que nous sommes une famille. Nous sommes un certain nombre là, nous sommes une famille. Leur vie est ici. Et vous ne la connaîtrez jamais. Je suis une tombe. Lui, la bague qui brille à ce doigt-là. Vous voulez que je vous montre les deux? Allez. Déclenchement. Non, il y a un certain nombre Hmm? de... Vous voulez que je vous montre les deux bagues? Pas les pète-pète. Moi, jalouse de mon fils, de ma co-épouse. Vous voulez seulement l'info, mais vous n'aurez pas l'info. Vous allez encore, c'est-à-dire, votre cœur va encore faire un nœud supplémentaire. Hein? Tu veux voir les deux bagues? Attends, j'allume. Hein? Pour le plaisir. Ah oui. Vous aimez la sorcellerie, n'est-ce pas? Je vais vous donner matière à faire bouillir le chaudron. Je vais vous donner matière à faire bouillir le chaudron. Quand je dis que ce sont mes filles, ce n'est pas les pets. Je m'inquiète. Mais mes filles à la maison sont jalouses. Vous parlez de quoi?